Votre papa? C'est... Micro dans la bouche? Non, c'est la sœur Yolande. Oui, elle vous a dit quoi? Moi, je suis taximène et puis un jour, je suis venu ici. Mm-hmm. Bon, dans ma curiosité, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit que non, c'est le papa Florian, c'est un prophète, il faut venir si tu as un problème, on ne sait pas. Donc, j'en ai parlé à papa. Augmente le son. Et j'en ai parlé à papa. Papa a dit, bon, tu me conduis là-bas. Depuis que nous sommes arrivés, papa a commencé à se sentir un peu bien. On apprend le Seigneur. Je veux que lui-même parle. Bon, on va lui dire. Bon. Autorité. Puissance. Oui. Puissance. Oui. Puissance. Oui. Je voudrais ici aujourd'hui faire un témoignage à double face. La première, c'est la guérison. Parce que c'est un miracle. Un très grand miracle au nom de Jésus. Vous savez, je suis venu ici par avion. Et je ne sais même pas, l'émotion me dépasse. Je suis venu sur une chaise roulante. Après avoir été mort, parfaitement mort, et j'ai été ressuscité grâce à l'intervention, à l'intercession de mon père, oui, celui que j'appelle maintenant mon père, Florian. Alors, non seulement j'ai été ressuscité, mais j'ai eu des révélations capitales sur la nature de Jésus-Christ. Alors, je vous rappelle ici tout de suite, pour certains peut-être qui doutent encore, je suis le fondateur des établissements Montaigne d'Abidjan et des établissements Montaigne de Ouagadougou. Et à cet effet, après ma résurrection, et depuis que j'ai rencontré mon père, j'ai passé 2 semaines, tous les jours, jour et nuit, dans des révélations extraordinaires. Jusque-là, c'est vrai, je connaissais Jésus, mais verbalement. Maintenant, je le connais réellement. Le père Florian, je ne crois pas que quelqu'un puisse, n'est-ce pas, lui dire suffisamment merci. Avec son nom. Parce que vraiment, Christ Jésus est avec lui. Et sans réserve. Jésus s'est montré à lui, s'est donné à lui, et elle lui a tout donné, absolument. Voyez là où je suis. La première révélation que j'ai reçue après avoir rencontré le Père, c'est sur une évocation d'une sentence. Aussi curieux que ça paraît, je n'avais pas encore compris pourquoi Jésus a pleuré. Il est écrit, c'est la phrase la plus courte de toute la Bible. Et Jésus pleura. Je n'avais pas encore compris pourquoi il est écrit « Et soyez reconnaissants ». C'est la deuxième phrase la plus courte de toute la Bible. Comme c'est extraordinaire. Et vous allez comprendre pourquoi. Jésus pleura. Il a pleuré pourquoi? Est-ce qu'il a pleuré parce qu'il ne pouvait pas ressusciter Lazare? Non, pas du tout. Il a pleuré parce que l'homme n'avait pas compris la manifestation sublime et suprême de l'amour de Dieu. Amen. Et cet amour est exprimé, bien sûr,
à la personne de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. C'est maintenant que j'ai compris cela. La deuxième interpellation, c'est « Et soyez reconnaissants ». Mais pourquoi être reconnaissant? Parce que tout simplement, c'est encore l'interpellation et l'appel à tout homme de se rappeler. Pourquoi est-ce qu'il faut être reconnaissant? C'est parce que tout simplement, Dieu, l'Éternel, Dieu, El Shaddai, nous a envoyé son Fils unique, le seul être parfait parmi les êtres, puisque c'est en lui, par lui, pour lui, que tout a été créé et fait pour servir à la gloire de Dieu le Père. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Donc, la manifestation de la reconnaissance à cet homme unique, à ce Fils de Dieu unique, est obligatoire pour tout homme, pour toute créature. Oh, merci. Et c'est pourquoi encore, vraiment, nous devons reconnaissance. Reconnaissance, 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 reconnaissance à cet homme, parce que c'est en lui, par lui, pour lui, que tout a été créé et fait, pour servir à la gloire de Dieu le Père. Et je ne pourrais pas, je ne dois pas être long, parce que je ne suis pas le seul à rendre témoignage, les autres aussi sont là. Pour ce témoignage à cette créature, vraiment sans qualification, on ne peut pas, on ne peut pas du tout. Et ça, c'est grâce à cette révélation qui m'a été faite juste la deuxième fois que j'ai rencontré Papa Florian. La deuxième fois. J'étais dépassé. Et chaque jour, je vous dis, chaque jour, chaque instant, j'étais en communion. On dirait que Dieu m'a transporté immédiatement dans la cour, n'est-ce pas, de ses enfants. Les vrais. Et tout cela m'est venu grâce au Père que j'appelle Florian. C'est trop, pour moi. Donc, encore une fois, souffrez de quoi? Papa, je vous dis merci. Oui, merci infiniment. Vous souffrez de quoi? Mais je souffrais, n'est-ce pas, d'athérosclérose. Ouais. Ça, c'est un. Puis d'arthrose à un stade élevé que les médecins, que moi-même je suis, ou du moins, on croirait que je suis médecin. Je ne l'étais pas. Maintenant, je le confesse, je ne l'étais pas. Et je suis sûr que tous les médecins, où qu'ils se trouvent, s'ils savent que je suis médecin agrégé de médecine, je dis aujourd'hui que je ne l'étais pas. Ils doivent se convaincre, eux aussi, qu'aucun d'entre eux ne l'est. Il n'y a que Jésus, et Jésus seul, qui peut dire qu'il est médecin. L'excellence. L'excellence dans sa créature, l'excellence dans son être, excellence dans sa perfection, excellence dans ses dons. Et la chose merveilleuse, c'est que ce qu'il a donné, c'est pour tout le monde sans exception. Tous options capables de confesser qu'ils n'étaient rien et qu'ils ne sont devenus quelque chose que par lui et par lui seul. Ça dépasse tout entendement. Ça dépasse tout entendement. Oh oui. Je vais vous dire. Tu as commencé à te sentir mieux. Ça met combien de temps? Oui. Tu as commencé à te sentir mieux. Ça maintenant, je me sens bien. Je ne marchais pas. Maintenant, je marche. Il ne marchait pas? Non, je ne marchais pas.
Je suis venu dans une chaise roulante. Par Air Mali. Marchez, Yoga. Voilà. Je peux faire tourner. Jésus, tu y es. Adoration. Tu es. Ah, tu l'as envoyé à Cyprien chez l'homme de Dieu? Moi, je ne croyais pas. Ouais. Moi, je ne croyais pas du tout parce que vraiment, il faut se dire que moi, je suis trop cartésien. Ça veut dire quoi? Là, je suis trop cartésien, je ne crois pas. Ça dit, si je n'ai pas vu de mes yeux comme ça, là, moi, je ne crois pas. Maintenant, je crois. Parce que, ah, vous croyez maintenant? Oui, parce que l'image. Parce qu'elle ne marchait pas. Ça met combien de temps? Bon, c'est ça pour un mois. Non, ça fait pas. Non, ça fait pas encore un mois, hein. Une semaine. Non, non, ça fait. Ça fait. Non. Le mois. La guérison, la mis combien de temps? La guérison, ça n'a pas encore fait. Ça fait pas encore un mois. Ça fait au moins trois semaines. Trois semaines comme ça. C'est le troisième mois. Chamini. Tout accompli pour vous. Accompagnez-les. Merci Seigneur. Merci.